Acceptez-vous ? C'est la première fois que nous devons mener à bien ce type d'opération. Ce sera un vrai challenge. Mais nous acceptons. Avant toute chose, j'aimerais avoir de plus en plus d'informations sur votre organisation. Bien sûr. L'un des objectifs principaux de notre organisation, c'est l'éducation à l'image, nous permettant d'avoir un regard différent sur le cinéma. Développer notre esprit critique. C'est un lieu d'échange où nous apprenons ensemble les différents métiers du cinéma. Nous apprenons à travailler en équipe et à réaliser nos propres films. Et puis ces productions s'inspirent de la vie des jeunes, cherchent à transmettre un message, à faire de la prévention et pourquoi pas découvrir une nouvelle vocation. Bref, Cinéwool et Compagnie est une organisation qui cherche à valoriser en individu ce qu'il y a de meilleur. C'est une grande famille. Ce qui était limite. Oui, et on a dû repérer les lieux dans lesquels on pouvait opérer en toute tranquillité. Mais surtout, on a dû réécrire le scénario plusieurs fois. On devait envisager toutes les issues possibles. Oui, parce qu'à un moment, nous avions envisagé de faire exploser la maison, mais on n'avait pas assez d'explosifs. Et on a dû abandonner. Quant à moi, j'ai vraiment regretté... On a aussi abandonné l'idée du point de vue du chat dans la maison. Mais il y a eu plusieurs versions, comme par exemple, chute d'Alphonse dans les escaliers. La fuite de gaz aussi. Bien le père qui est en train de lustrer sa voiture pendant... Solène tentait désespérément de lui parler. Oui, dites-moi, quel était votre rôle dans cette opération? En fait, j'étais chargée de récupérer les timecodes. Les timecodes? Les timecodes. Donc je devais noter les faux raccords. En fait, elle devait rendre un rapport complet au monteur pour qu'il puisse savoir avec précision quelle prise il aurait gardé et quelle prise il ne doit pas garder. En fait, j'étais tout simplement là. En ce qui me concerne, quand j'ai pris connaissance des différents postes à pourvoir sur le plateau, j'étais attiré par celui de régisseur. J'avais à mettre en place l'équipe technique, à m'assurer que tout allait bien, et c'était toute une question de logistique. Quant à moi, je préparais le tournage. Je travaillais en étroite collaboration avec le réalisateur. Je m'occupais de l'organisation technique, du placement de l'équipe à partir de la feuille de service. Tout en mettant le stress. Bref. J'étais l'assistant réalisateur. Très bien. Ça a l'air d'être un beau travail d'équipe. Évidemment, chaque maillon de la chaîne est important. Bien sûr. Avant que je n'examine votre travail, pouvez-vous me dire qui était le cerveau de cette opération? Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Quel cerveau? Cerveau. Salut, moi c'est Alphonse, et toi comment tu t'appelles? Mais pourquoi il ne me répond pas le petit bonhomme? Hein? C'est parce que lui aussi veut que je passe pour un bouffon, c'est ça? Tu sais petit, ce n'est pas poli de ne pas répondre quand quelqu'un s'adresse à toi. Je m'appelle Devon. Je vous ai déjà dit de ne pas parler à des messieurs que vous ne connaissiez pas. Pervers. Faut qu'on parle. Ouais.
exactement ce qu'il faut se dire. Faut qu'on parle. Toi, j'ai pris conscience de ça ce matin. Je venais de me réveiller et puis là, Solène a débarqué. Ouais, mais non, mais je lui ai déjà parlé. C'est mal à fait. C'est où qu'a dit ça? Moi, tu ne me connais pas. Regardez-moi là. T'es venu, ma galère. Oui, je l'ai vu la semaine dernière. Et puis tu jupettes le café seul. Mais oui. Alors tu veux. Mais non, ma chère, mais non. Tu veux me dire que la fille fait ça à son mari parce qu'il n'a pas d'argent? Moi, ça a trop de vices dans son corps. Maman, j'ai besoin de te parler. Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger quand je suis au téléphone. Mais tu es tout le temps au téléphone. Puisque je te dis que je vais te voir tout à l'heure. Mais quand? Tout à l'heure. Mais quand? Tout à l'heure. Mais quand? Je l'avais déjà averti. Je te dis tout à l'heure. De toute façon, c'est tout le temps la même chose avec vous. On ne peut jamais vous parler. Hé, miti maman, moi, ça n'a pas crié qu'on s'en caille, moi, hein? Moi, quand on y dépôt de cholo, hein? Bon. Mais non, excuse-moi. Mais non. Nous avons connu à l'âge tard. Mais oui, il a grandi. Il a grandi tellement vite que c'est grandi passé moi. Mais non, en attendant, c'est moi qui suis plus grand qu'elle. Ça fait un moment que ça ne va plus. Ouais, c'est bien vrai, ça. Ça ne va plus depuis un moment. Regarde, Solène. Tu vois, quand j'ai vu qu'elle essaie de parler à ma mère et pas à moi, ça m'a inquiété, tu me connais. Donc, je suis allé la voir dans sa chambre pour lui parler gentiment et là. Putain, tu peux pas frapper avant d'entrer. C'est pas toi qui a touché à mon rasoir. Ton rasoir? Tu as quelque chose à raser, toi? J'ai peut-être rien à raser, mais je me grippe à aller sur un écran. Il est à peine 8h du matin, t'es déjà sur MSN. T'as rien d'autre à faire? Là, au moins, je trouve des gens à qui parler. Tu préfères parler à une machine plutôt qu'à ta propre famille? Oh là là. Oh là là. Si seulement ma famille m'écoutait... Je suis content de pouvoir enfin parler avec toi. Ça me soulage, tu peux pas savoir. Tu vois, quand tu m'as appelé ce matin, je mais pensais pas... Je t'ai pas appelé ce matin, c'est toi. Mais non, avant que je te rappelle, j'aurais jamais cru qu'on aurait autant été sur la même longueur d'onde. Qui t'y fit à trop mal propre. Mamie, quoi, tu avais un préservatif. À l'âge t'as ou quoi chercher un homme pour prendre? Pour me protéger. C'est ou toi, pas un gros bonnet, ça, ok, fait. T'as couché avec un garçon? Non, mais il vaut mieux que je m'y prépare à l'avance. Sacré manawa, pite. Mais est-ce que tu as un petit ami? Je m'en pense. Eh bien, non, pas vraiment. J'en ai pas. Mais. Mais quoi? Oui, c'est vrai, on communique pas. On est face à face et on ne se dit rien. Mais oui. Ou alors on fait semblant de se parler, mais on se parle pas vraiment. Ouais. Par exemple, ce matin, en me rendant au boulot, je croise quelqu'un et puis... Tu fais quoi ce soir? Oh, je sais pas. Je pensais aller au ciné. Ah, super, on pourrait y aller tous les deux, alors. C'est gentil de votre part, mais... Je suis pas vraiment libre en ce moment et puis on se connaît à peine, donc... Attends une seconde, je me débarrasse d'un parasite.
Alphonse, tu es un pro. Vas-y, passe ta crèche. Oui, passe sur le lit. Allez, vas-y, fonce. Excusez-moi, monsieur. Putain, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Je voulais juste un renseignement. Ah, ça va être long. Oui, mais vous êtes là pour ça. Je peux pas me foutre la paix tout de nez, hein. Vas-y. Oui. Bon sang, tu es bon, Alphonse. Depuis quand êtes-vous au chômage? Environ un quart d'heure. Quelle est votre situation? Je vis chez mes parents avec ma soeur. Ok, dans quel domaine voulez-vous exercer? Les jeux vidéo. À part cela? Eh bien, je voulais être graphiste peintre. Ouais. Quelles sont vos compétences? Je joue bien au foot. Ouais. Vous vous moquez de moi, là? Non. C'est parce qu'au lycée, mon prof, il me disait à chaque fois que j'étais doué, que... Suivant! Ça fait trop longtemps que ça dure. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Faut qu'on arrête. Tu as raison. Faut qu'on arrête l'économie. Faut ouvrir les yeux, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, pour me défouler en t'attendant, je me suis dit, pourquoi pas un basket? L'idée m'est tombée dessus, comme ça. Alors, t'attends quoi là, frère? Alors, les gars, et puis qui m'a manqué à jouer? Attends, Bougouin. C'est pour là seulement nous, les. Nous avons assez joué, man. Mais non, les gars, moi, ça, on prend le NBA Street Basket 2. Allez, PS3. T'es toujours sur mon PS3. Ah, mauvais, le vrai. Bougouin, si tu joues basket, moi, on n'a pas les créoles. Bah, nous boule là, et puis allez jouer pétanque. Bah, nous boule là. Vas-y, donne. Ok. C'est fini. Voilà. C'est exactement ça qu'il faut se dire. Toi, j'aurais jamais cru que tu pensais la même chose que moi. C'est la première fois qu'on a une discussion si sincère. Mais pourquoi il a fallu qu'on en arrive jusqu'ici pour pouvoir se parler? Je pensais vraiment pas que tu aurais réagi ainsi. Si tu le prends comme ça, ben... On reste amis, hein? Cool, on reste amis. Déjà dans ma famille, on communique pas. Au travail, c'est même pas la peine. Dans la rue, n'y pensons même pas. Et là, tout à l'heure, il y a ma meilleure amie qui me dit « Restons amis ». Alors là, je comprends plus rien. Ils sont tous enfermés dans leur petit monde. Les problèmes des autres, ça les intéresse pas. On devrait être plus proche des gens. Parler avec des gens qui sont proches de nous. Qu'on parle pas seulement à des gens à des kilomètres à travers un écran d'ordinateur ou un téléphone portable. Qu'on apprenne à se connaître. Qu'on se comprenne. Qu'on s'entraide. Vous avez raison. Eh ben, tiens justement, petit père. Tu vois, pour moi aussi, c'est la misère. Alors, t'as pas 2 euros pour dépanner un frère? 2 euros. 2 euros, est-ce là le prix nouveau de la dignité humaine? 2 euros par charité chrétienne, une bien triste rengaine.
Tout ça, c'est signé au les compagnies. Oui, tout ça, c'est signé au les compagnies. Vous vous moquez de moi? Ah non, pas du tout, je vous assure. Tout ça, c'est après avoir été formé à l'écriture du scénario, voilà. Nous avons appris théoriquement ce que nous devions faire pour ensuite passer au tournage. Voilà. Comme l'utilisation de la caméra, la lumière, le son. Différentes échelles de plan, les axes, les raccords. Les techniques de mise en scène. Les directions d'acteurs. Et puis ensuite, nous avons pu établir un découpage technique précis. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que Cinéro et les compagnies soient aussi efficaces. J'aurais une nouvelle mission à vous confier.